Trois ans après sa plainte pour viol à l'encontre de Luc Besson, Sank Van Rooy s'est exprimé pour la première fois sur le sujet à la télévision, et a notamment pointé du doigt le travail de la justice française dans l'affaire. En mai 2018, Sank Van Rooy accusait Luc Besson, producteur de Taxi 5 qu'il avait également dirigé dans Valérian, de viol. Des faits que le réalisateur du Cinquième élément a toujours nié, autant que les plaintes formulées par cinq autres femmes. Et tandis que l'affaire pourrait une nouvelle fois être classée sans suite, le parquet ayant requis un non-lieu au mois d'octobre, la comédienne s'est exprimée pour la première fois à la télévision. Dans le numéro de complément d'enquête consacré à Roman Polanski et diffusé ce jeudi 11 novembre sur France 2, Sank Van Rooy a réaffirmé son envie de ne rien lâcher. Malgré les critiques formulées envers la justice française, cette plainte a complètement brisé ma vie, déclare-t-elle. Je regrette d'avoir porté plainte en France, parce que ce pays ne protège pas les victimes des gens connus. Alors que la matérialité des faits est contestée, Sank Van Rooy rappelle qu'elle a dû subir plusieurs expertises psychiatriques et que les pièces attestant de sa dépression ou de son stress post-traumatique, établies par les médecins, n'ont pas été versées au dossier. Et, dans le même temps, Luc Besson n'a jamais été placé en garde à vue, pas plus que son ADN n'aura été prélevé avant plusieurs années. Sur-traumatisée et blacklistée, la comédienne précise cependant qu'elle porterait de nouveaux plaintes si tout était à refaire. Mais pas en France. Pas dans ce pays qui m'a maltraitée, qui m'a sur-traumatisée, affirme-t-elle en plus de son envie de confronter les gens qui ont fait des bêtises judiciaires. En attendant, ces accusations ont également eu un effet négatif sur sa carrière, dont l'élan a été stoppé net. En France, j'ai eu un seul casting, depuis 2018. Je venais de tourner Taxi, alors je passais pas mal de castings, j'avais un bon agent, tout était bien. Et depuis, ça s'estarque des propos que corrobore un producteur contacté par l'émission et qui devait lui confier un rôle lorsque les accusations ont été formulées, lorsque son nom est sorti. Elle a été « blacklistée », c'est-à-dire que les gens ne voulaient plus l'engager. L'intégralité de l'interview de Sank Van Rooy est à retrouver dans le replay de l'émission complément d'enquête du 11 novembre 2021.